Pas de chichi, pas de blabla, triple migaté, c'est parti les gars. Alors les gars, vous avez vu ma belle team de campeurs, objectif, camper le maximum possible. Quelque chose que je ne sais pas trop faire, gérer le flot, tout ça. Et possiblement, bah, aller chercher toutes les jauges uniques parce que y a quand même, c'est quand même assez drôle qu'on ait 3 jauges uniques d'esquive et une également qui va contrer. Donc on est parti, 3 couleurs différentes, triple migaté, 4 ZHP. Ça va potentiellement être, pourquoi pas, intéressant. On va commencer avec le migaté violet. Migaté violet qui va quand même nous offrir le contre-type sur le revive. Donc ça, ça fait plaisir. Migaté rouge sur le Muten Roshi. Ah, on a contre-type sur tous ces persos. Au moins, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il va falloir choisir lequel des 3 est-ce qu'on se fait, Mafuba. Ok, on est parti. On est parti, alors évidemment... Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh le contre. Oh là, si une spé, c'est ciao. Si une spé, c'est ciao, comme dirait un célèbre youtubeur. C'est bon. Ok. Ah, c'est bien joué. Wow, wow. Ah, ça va, oh, il a nullifié type, heureusement, parce que... Si ça, c'était pas nullifié, je me serais retrouvé dans une sacrée... une sacrée sauce, pour pas dire plus. Bon, il m'a mis la torpeur. Foiré. Je suis là. Ok. Bah ça vaut le coup d'avoir une jauge unique pour faire ça. Ok, super. De toute façon, il pourrait une carte verte, son Muten Roshi, là. Ouais, je t'ai vu venir, mon ref, c'est le kill. Ouais, let's go. Allez, on va camper maintenant. Voilà. Allez. Oh là là, j'adore. Qu'est-ce que c'est fort en vrai. Je troll, mais la vérité que c'est un peu fort quand même. Ok, on y va. Gohan a toujours une unification défensive à ce moment-là. Oh là 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 là. Carte verte à ce moment-là, on a un boost de dégâts. Ah si Zenkai Migaté violet, la vérité ça va être drôle cette team. Ok, allez, on espère qu'on prenne le revive ici, on a fait une grosse game là, on commence plutôt bien. Hein. Allez, prends lui là. Ça fait quadruple Migaté là. Ok, alors là ça va jauge uniquer dans tous les... Non. Jauge uniquer. Ouais. Ça va jouer... Ouais. Enfin, ça va faire des jauge uniques quoi. Allez. Ah non, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah oui, j'adore. L'adversaire qui ne peut absolument jamais attaquer. Et la team triple migaté qui s'en sort extrêmement bien pour ma première game avec, c'est cool. C'est vraiment une team de campeurs. Par contre, alors, je juge pas être un très bon joueur de migaté en plus de ça, parce que bah, j'ai pas trop l'habitude de jouer ce genre de perso, et il faut gérer le flot et tout. Par contre, un mec... qui, même pas gérer le flop, ça va, mais qui gère vraiment très bien les esquives de Migaté à la perfection. Je peux vous assurer que moi, je veux pas l'affronter avec ça, hein, parce que c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Le pire, c'est que c'est mieux qu'avoir 3 Migaté, parce qu'en fait, t'as le revive. Donc au moins, si tu te fais attraper, tu peux en plus profiter du revive. Et le mec qui joue bien, il fait que de perfect avec la team. Après, là, face à gauche tableau, ça va être moins drôle. Là, je pense qu'on va... On va gentiment se faire ouvrir, là. Allez, sponsorisé par Quechua. C'est pas vrai. Si vous voulez, ça serait stylé. Oh, ça fait bobo. Allez, première cover. Bon, on en a des covers, donc on va pouvoir y aller. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah, j'ai mal joué! Est-ce qu'il va avoir une strike encore? On va perdre le revive là. Mais on perd pas le revive! Jamais! Ah bah voilà. On va pas perdre le revive, mais on va. Si, je crois que si. Hein. Je crois qu'on va devoir ici. Hein. On va devoir! Même pas? Si, 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 ça y est.
Ouais, bien joué. Ok. Allez, c'est parti. Triple Migaté, let's go. Et ouais, c'est pas parce que je joue Migaté que j'attaque pas, d'accord? Vraiment la jauge là. Oh bordel. Vas-y Migaté, fais-le devant tout le monde, montre-leur. Oh ça serait incroyable de tuer Gogeta là. Oh let's go. Non, comme par hasard quand j'attaque tu te moques de moi. Ok. Ok, le petit crit ici qui fait plaisir. Ah, la DB sur l'aspect, comment c'est relou. Ok, on a écouté le pas de côté de l'autre côté. Allez, allez. Oh là là, mais quelle team sa mère. Non. Aïe 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 aïe. J'hésite à cover là, mais... Ah, ok. Bon, je pense qu'il a détruit... Bien joué. 280 000 la crit. Vas-y. Bon, je vous dis, hein, il m'attrape sur l'ulti, c'est fini pour moi. Il n'y a pas de fioriture. Il y aura pas de fioriture s'il m'attrape sur l'ulti, je suis mort. Par contre, on a fait une belle game. Allez, 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 allez. Non, non, j'ai pas fait exprès. Non ! C'est fini ! J'ai attrapé, j'ai gagné ! Vas-y, c'est fini, j'ai perdu. Mais j'ai déjà lui, hein, vraiment, j'ai déjà lui. Je pensais qu'il avait pas récupéré la TP. Et s'il avait récupéré la TP, malheureusement. Je pensais vraiment qu'on aurait pu l'attraper là-dessus. Ou alors, je pensais également qu'il allait se jeter, en fait. Parce que, vu que bah, j'ai récupéré ma TP une deuxième fois, mais ça se trouve, il va se jeter à balancer un peu l'ulti dans le vide. Mais c'est pas grave. Là, on a beaucoup mieux profité des jeux uniques. On a failli s'en sortir. On a tué Gogeta parce qu'on a surpris. Mais, belle game. Mais il a vraiment... Enfin, il a le fait d'avoir le tag SSJ4... Ça l'avantage énormément parce qu'il... Enfin, ça l'aide parce qu'il peut aller chercher en fait les open safe. Et ça, malheureusement, les Migaté, si c'est bien joué, c'est bon, c'est un peu plus compliqué qu'une strike ou une blast. Ah, c'est pas un si mauvais match-up que ça, en vrai. C'est pas si horrible que ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que Hit, il peut venir nous attraper avec le Tokidobashi. Mais j'ai... Les gars, j'ai eu à affronter des adversaires. Et je le jure, c'est moi qui est censé camper avec les Migaté. C'est pour ça que j'arrive pas à jouer avec les Migaté parce que les games durent 8 ans et demi, en fait, tout simplement. Parce que les adversaires attaquent moins que moi. C'est-à-dire que c'est même moi qui joue les Migaté, c'est moi qui attaque. Et ça, c'est une folie. Genre, vraiment, ça me choque. Et du coup, bah, ça fait que soit les games durent longtemps et je campe vraiment, c'est-à-dire que je ne bouge plus fond de map, soit c'est moi qui attaque parce que les gens n'attaquent pas. C'est assez impressionnant. On va voir s'il retourne face à quelqu'un qui se jette un petit peu. Pour l'instant, bah, ça reste. Ça bouge vraiment pas. Vous croyez vraiment que Hit, genre lui là, il va faire quelque chose face au dieu? Genre lui là. Ouah, ça nuit le type en face. Non mais... Tu mens là. Gogo Shiro. Bon bah ça va aller chercher le revive plus vite que prévu. Hein. Allez, on va chercher l'anti-cover ici. Pour l'instant, on n'a pas besoin des jauges parce qu'on se fait pas attraper. Je vous avoue, donc... Est-ce qu'on n'irait pas chercher le main de Migaté violet, là, pour surprendre un truc comme ça?
J'avais pas vu. C'est vrai qu'on a pas tendance à y penser. Aïe 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 aïe. Ah, il me les enlève, non? Non, il a pas crit là, mais je pense qu'il me les enlève quand même, malheureusement. Ah là 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 là, il m'a dépop sa mère le hit. Ah, c'est trop fort. Ce que vient de faire hit dans la game, c'est fou quand même. Hein. Carte verte, la histoire de mettre. Voilà, j'ai quand même eu peur là qu'ils mettent bis, je vais pas vous mentir. Ça m'aurait détruit une carte et possiblement de détruire l'ulti. C'est lui le plus beau des Migaté non maîtrisés, et pas l'autre fraude. Je crois qu'il avait pas tué, putain. J'aurais pété mon crâne, vraiment. Vaut mieux écouter un peu grincer les dents là, on va dire. Pardon? J'ai pas dû bien comprendre là. Yukitemira! Il a tenté quoi là? Il croyait qu'avec juste de Migaté, je sais pas quoi. Hit aura brillé, mais ce n'aura. Ça n... Oh, c'est moi le plan de derrière, c'était pas prévu ça. Ça aura pas suffi. Voilà. Hit n'aura vraiment pas suffi. Allez, continuons cette petite team qui est plutôt sympathique. Si vous voulez vous amuser et que vous avez drop le Migaté vert, n'hésitez pas. Mais évidemment, je tiens à le redire, ce n'est pas une team viable. C'est-à-dire que c'est hyper stylé en vidéo, en showcase, en miniature et tout, c'est trop stylé. Par contre, c'est vrai qu'in-game, c'est pas la folie non plus. T'as pas trop de synergie, t'as pas trop de réduction de temps d'attente. Les persos sont pas vraiment faits pour fonctionner ensemble. Il y a un truc qui marche quand même bien avec les persos. Bon, évidemment les jauges, mais c'est pas que ça. C'est surtout qu'ils sont très équilibrés. C'est-à-dire que Migaté violet peut être joué en strike en blast, Migaté rouge également, et le Migaté revive également. C'est vraiment trois persos qui peuvent être joués autant en strike qu'en blast les trois. Et ça, c'est vraiment pas mal. On est parti. Bon, c'est pas ce que j'avais demandé, hein. Mais bon, vu comme ça lag... c'est trop stylé. Oh, c'est incroyable. N'empêche qu'au moins ça proc pas la jauge de Gogeta. Et ouais, on surprend les adversaires au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on les surprend là. Et allez, anti-cover ici. La vitesse de pioche et tout, c'est pas mal. On kiffe. Ouais, là, il veut nous enlever qui, cet enfoiré. Enfoiré de Zamasu. Il va péter un plomb. Il va péter un plomb en face à force. Ça part sur Gogeta. Et la jauge de Gogeta qui nous arrive encore une DB. Hein. Fort. Hein. Ok, carte verte de Migaté rouge. Il arrive pas à nous attraper. On est full life toute la team. Je vous dis, il va péter un plomb en face. Ok. Bon, on le voit, la jauge de Migaté rouge hein, qui est vraiment bien meilleure que celle des autres Migaté, ça c'est... Ça c'est certain. Oh là 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 là, ça tabasse. On est obligé là. Je pense qu'on est un peu obligé quand même. Je meurs là. Gogeta décide de retourner une game à lui tout seul avec sa jauge. Putain, ça rend trop fort. Allez, un autre de plus! Non, Rising. Ouf, non, j'ai cru que ça allait être un petit Rising ici. Allez, là, c'est trop fort ici. Ah, voilà ta
jauge. Tchè, mon ref. T'as voulu ta jauge et alors? T'as voulu ta jauge et alors? Oui, ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a voulu vraiment jauge avec avec son Gogeta, sauf que j'ai switch, il aurait dû anticiper ça. Oh, pro, les dégâts avec le dispel. Ça fait peur quand même. Hein. Donc là, en tempo, hein, évidemment. Oh, c'est horrible. Non, mais vraiment, par contre, c'est vraiment horrible. Le terme horrible, il est posé. Hein, c'est. Oh. La team, c'est quelque chose. Hein. Bien, bien, bien dégueu quand même. Là, il a de l'anti-cover tout le long, donc. Ouais, c'est trop fort. Trop, trop fort, 17 ici. Parfait, ça. Oh là là, Goku. Oh, mais Goku! Séparation du corps et de l'esprit. Trop long. Oh, la team est incroyable! Si switch, il est mort. La carte verte pour aller chercher la jauge. Encore plus de jauge, j'en veux plus. Bien joué ça par contre, très bien joué ça. Ça me va. Moi franchement ça me va, franchement ça me va. Alors je voulais garder l'ulti ici pour essayer d'aller tuer de LF, mais en vrai bon. Oh là bon. C'est régalade. Je rappelle ici. Oh non, on aurait pu ulti. On aurait pu LF. Mince, je voulais dispel. Je pensais qu'il avait encore la seconde barre de vie, mais pas du tout, je l'avais enlevé avec Migaté vert. Bon, vous avez vu, c'est horrible. Il a dit pété. Là, c'est comment farmer des bonnes équipes. Vous voulez des bonnes équipes, vous allez les farmer comme ça. Bon, je pense qu'on a un adversaire qui a pété son téléphone contre le mur. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce petit showcase, les gars. C'était surtout pour rigoler et se faire plaisir. Bon, pas trop à nos adversaires, parce que ça reste une mécanique vraiment défensive. Par contre, c'est vrai que quand tu ne joues pas avec trois persos comme ça, c'est assez agréable dans une team. Maintenant, là, c'est trop. Vraiment, jouer les trois, c'est vraiment trop. Et pour ceux qui gèrent vraiment bien cette mécanique, il y a moyen de vous amuser. Bon, on se dit à très vite, les gars. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Faites attention à vous. On rappelle, c'est stylé, cette team-là, tout ça. Mais faites attention à votre budget. C'est très important. Ne dépassez pas votre budget de 1. Et mettez, si possible, le moins possible d'argent dans un jeu. Parce que quand le jeu ne sera plus là, vos sous non plus ne reviendront pas. Voilà. Donc, on se dit à très vite, les gars. C'est important. C'est un gacha. Ciao. Speaking in tongues, snake like tongue tied, you on the run.